c'est vrai qu'on nous a, on avait parlé de ce projet dès janvier 2015. Et bon, la presse, elle n'est pas là, ils sont partis, mais c'est pas grave. Ils m'ont pas mal questionné, rappelé au bout de 6 mois. Alors, c'en est où le parapente? Vous aviez dit que vous alliez faire une aire de parapente, là, votre toujours pas. 2016, rebelote, on m'appelle encore, et toujours pas là. C'est-à-dire qu'une aire de parapente, ça se fait pas comme ça, si simplement. Il y a une question de sécurité. Il y avait aussi le fait que ce soit sur un terrain à la fois en partie communale, mais surtout en grande partie privée. Donc, il a fallu convaincre, et je remercie René, André, de nous avoir reçus, Claudine, le jour où nous sommes venus vous présenter le projet avec Hervé, où évidemment ça a posé quelques questions, il y avait des incertitudes quant à la sécurité, et des questions tout à fait légitimes. On en a reparlé à plusieurs reprises au sein du conseil municipal, mais tout de suite ça a été quand même bien accueilli, hein, vraiment. Bon, on s'est interrogé par rapport aux habitants, certains allaient se dire, bon, notre intimité, est-ce qu'on va pas la perdre si on se retrouve avec des parapentes au-dessus du jardin pendant qu'on est sur une chaise longue? Voilà, il y a toujours un peu ces inquiétudes. Mais finalement, je ne crois pas. Enfin, vous nous direz, il y a peut-être. Bon, l'été, de toute façon, on est rarement sur la chaise longue en Normandie, mais quand on a la chance un peu d'y être, c'est qu'il n'y a pas de vent, et donc en principe, il ne devrait pas y avoir de parapente, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'était toutes ces questions auxquelles nous devions répondre. Donc, ce projet donc s'est mis en place, ça a mis à peu près un an et demi. Alors, le président d'Optivol, monsieur Saval, merci. Et monsieur Vacogne, heure ancienne également, qui est là. Je voulais vous remercier de votre présence. Vous pouvez aussi venir avec nous si vous souhaitez. Et, oui, ça a mis un an et demi parce qu'il fallait donc nettoyer le terrain. Il fallait également passer une convention. Il y avait toute la question de la réglementation, des assurances également. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Et c'est un projet, comme on disait tout à l'heure, qui a... On n'a pas eu beaucoup d'investissements financiers. Voilà. C'est un beau projet pour un investissement humain, on va dire, surtout. Pour un investissement d'équipe, où chacun a contribué à son échelle, que ce soit Jean-Louis, enfin chacun a été présent pour participer à ce projet peu coûteux, mais en termes de résultats, à la hauteur. Vraiment... Je pense qu'avec beaucoup de potentiel, comme vous nous le rappeliez tout à l'heure, et pourquoi pas un jour accueillir aussi les personnes en fauteuil, enfin des personnes à mobilité réduite, pour faire aussi du parapente, et accueillir les élus. Ça me ferait du bien de faire un tour également parapente pour prendre un peu de hauteur sur la situation actuelle aujourd'hui du pays, de tout ce qui se passe, ne serait-ce que sur notre territoire. Voilà. Donc,